C'est aujourd'hui la grande finale, le match le plus prestigieux du foot européen, la finale de l'UEFA Champions League. Dans quelques minutes, la suite du programme sur EA Sports. Bonjour à tous, salut Pierre. Salut Hervé. Bienvenue pour cette finale du UEFA Champions League, très attendue. Ouais, c'est aujourd'hui qu'on va connaître le nom du vainqueur et on attend ça avec impatience. Quand on voit le niveau technique de ces deux équipes, on se dit que ça devrait être sympa, Pierre. Ouais, là-dessus, je m'en fais pas trop. Pour le reste, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voici donc la composition d'équipe. Alors qu'on voit maintenant le type d'organisation retenue par l'entraîneur pour ce match. Il va faire jouer son équipe en 3-5-2. Bon, on compte sur la qualité de relance et de passe de ses défenseurs centraux pour trouver des espaces. On assiste donc au match le plus important de la saison, cette finale du UEFA Champions League. Ah, il faut en passer des obstacles pour arriver à ce niveau. Ah, c'est... T'arrives en finale, c'est ton 13e match dans le tournoi, hein, c'est pas rien. La composition de Manchester United qui s'affiche. C'est un système sans surprise qu'a choisi l'entraîneur, un 4-3-3. Ah, c'est sans surprise, mais c'est risqué. En fait, tout dépend du rôle et de la participation défensive des deux ailiers. Le coup d'envoi de cette finale de l'UEFA Champions League. Ouais, ça commence à l'instant. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Sergei Milinkovic-Savic. Ah, la passe en profondeur, attention. Il cherche un partenaire en profondeur. Le gardien qui repousse, attention. Rabiot. L'équipe qui s'en sort bien avec cet arrêt, du coup tout reste à faire. Ah oui, c'est bien fait ça. La bonne inspiration sur cette passe. Un très beau tacle, il va sûrement éviter une grosse occasion de but. Le ballon qui file en touche. Partie du public qui reproche à l'arbitre de ne pas avoir sifflé pénalty. Ouais, il est bien placé pour centrer. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Anthony Martial. Adrien Rabiot. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Oh, il a du soutien, ça peut être dangereux. Le centre qui est contré. Ouais, corner, hein, c'est le défenseur qui a touché le ballon en dernier. Le corner en direction du point de pénalty. Sans grand danger finalement. Il prend sa chance. Et le gardien qui est sur ce ballon.
Un ballon trop facile à reprendre finalement, perdu stupidement. Ouais, faute, estime l'arbitre. Allez, long ballon. Ah, oh, l'interception, il a tout anticipé. Ouais, il a le temps de centrer. Ballon dégagé de la tête, en touche. Grimaldo. Adrien Rabiot. Sergei Milinkovic-Savic. Tai Chong. Anthony Martial. Grimaldo. Un bon ballon qui va peut-être trouver preneur. Ouais, il donne de l'air à son équipe. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. Excelto Nzabe. La touche, le ballon a été dévié. On écarte le jeu. Ce ballon qui file jusqu'au gardien. Il va pouvoir relancer son équipe. Sur la frappe. Oh, le but! Oh, l'ouverture du score dans cette finale du FA Champions League! Eh oui, un but qui devrait rendre cette finale encore plus passionnante. Le gardien qui ne peut pas faire grand-chose hein, sur cette action. La vraie question, c'est de savoir comment le buteur peut se retrouver dans cette situation si près du gardien. Bien, ce but... Toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. L'entraîneur qui a le sourire et ça se comprend. Son équipe est dans une bonne dynamique maintenant dans ce match. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Sergei Milinkovic-Savic. Ils veulent faire sortir la défense, hein, c'est clair. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Et la touche. Tai Chong. Ah, ils étaient sous pression. Il dégage. Adrien Rabiot. La passe est interceptée. Attention, ça peut être dangereux. La frappe, les corners. Allez, l'occasion pour cette équipe peut-être d'accentuer son avance. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface et on l'a dégagé pour écarter le danger. Attention, le défenseur est passé au travers. Sans problème aucun pour le gardien. Adrien Rabiot. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire?
Ah ben c'est un adversaire qui récupère cette passe. Taichung. Sergei Milinkovic-Savic. Ah, la bonne qualité de ses passes. Axel Tuanzebe. Taichung. Adrien Rabiot. Ouais, la frappe. Oh, poteau! Oulala! Ils sont pas vernis, ces joueurs. Avec un peu de réussite, ils pouvaient égaliser là-dessus. Bonne anticipation sur cette passe. Ouais, pas de risque, hein, le gardien qui dégage ce ballon. Oh oui, encore une bonne passe. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Sergei Milinkovic-Savic. Le ballon rendu carrément à l'adversaire. Elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Choisis la frappe. Taichung. Adrien Rabiot. Axel Tuanzebe. Adrien Rabiot. Ouais, lumineuse cette passe. Manchester United qui va pouvoir tirer le corner. Corner qui va. Manchester United qui égalise le but. On savait qu'il faudrait compter avec les Red Devils dans cette finale. Et belle action des joueurs de Manchester United qui sont donc parvenus à tromper le gardien. Il n'y a rien à acheter sur ce but, le corner, le démarquage, le timing. Notre réalisateur qui nous montre les buts avec une autre caméra. Et voilà donc à égalité un but partout. Font tourner à l'affût de l'ouverture. Oh, cette faute qui va donner lieu à un coup franc extrêmement dangereux. Ah, il repousse, ça joue. La mi-temps dans cette finale, rien à jouer, hein, Pierre. Ah non, rien du tout. On sent même que ça peut vraiment basculer d'un côté comme de l'autre. Le coup d'envoi de cette finale de l'UEFA Champions.